Les revendications des infirmiers et des infirmières des blocs opératoires et des salles de réveil ont été déjà évoquées il y a plusieurs années, il y a 4 ans. Ils avaient déjà débuté un petit mouvement pour essayer d'avoir satisfaction à leurs revendications qui ont été toutes refusées. Et ce mouvement, il a vraiment éclaté quand la goutte a débordé du vase, quand on nous a demandé de former du personnel intérimaire qui ne connaissait rien au bloc, à qui on devait transmettre notre savoir-faire, nos connaissances, notre savoir-être. Et ce personnel étant lui-même payé en tant que technicien hautement qualifié et reconnu en tant que tel, alors que nous, on était des simples techniciens.